Allez, seconde et dernière quête secondaire. On l'a croisée tout à l'heure lors de la première mission annexe. Merrick. Armageddon distraction. Merrick a une quête de la plus haute importance à vous confier. Je suis Merrick, dernier gardien brave. De la clé sacrée du destin. Rien les ombres se rassemblent et la catapocalypse est sur nous. Seul l'être dont la venue a été prophétisée peut mettre un terme au chaos rampant et... Attendez, c'est qui le type avec le chapeau bleu là-bas? Mais personne t'occupe aux aides de lui. Je trouve que tu insistes vraiment beaucoup pour un type pas important. N'importe quoi, c'est un mec 100% normal et parfaitement ordinaire. Bah voyons, on va plutôt parler au type au chapeau bleu pour tirer ça au clair. Quoi? Comment ça vous... Bah vous savez quoi? Comme vous voulez, mais n'oubliez pas Merrick. Bien le bonjour. Je crois que nous n'avons pas Chipo été présentés. Chapeau bleu. À toi l'honneur. Bleu ciel. Voilà. Je m'appelle Bleu ciel. Bleu ciel foncé. Je suis une personne lambda, quoi. Bon, clairement, le nom est Pipo. Il nous cache quelque chose, c'est sûr. Quoi? Mais ça me plaît la tête! C'est un type tout ce qu'il y a de plus normal! Anormalement normal. Moi, je dis, on l'interroge. Grave! Par contre, gentiment ou méchamment? Je propose gentiment. Quelques pains dans sa tronche jusqu'à ce qu'il réponde. Quoi? Mais non! Ça, c'est méchant! La façon gentille, c'est de lui parler, de lui poser des questions l'air de rien. Oh, vous me saoulez, sérieux? Ouvrez vos oreilles! Et en quoi c'est gentil, ça? Ça pourrait méchamment dégénérer? Les pains, c'est plus sympa. Pas pour lui. Non, mais attends, quand tu dis gentil ou méchant, c'est selon son point de vue? Bah oui, tu pensais quoi? Je peux vous aider? Je n'ai pas besoin de l'aide d'un manant comme toi. On devrait peut-être reprendre depuis le début. Évidemment que je me pose pas la question depuis son point de vue, pourquoi je ferais ça? Et puis, c'est gros comme une maison que c'est un méchant maléfique. Donc on va devoir le taper tôt ou tard. Regarde-moi droit dans les yeux. C'est tellement pas un méchant maléfique. Tu vois? Même Tina est d'accord pour dire que c'est débile. Ah merci, faites honnête. C'est pas trop tôt. N'importe quel abruti peut voir que c'est un anti-héros torturé avec des intentions louables, mais des méthodes douteuses. Non. Dans tous les cas, on va pas le lâcher. Et on va obtenir des réponses de lui, que ce soit à coup de latte ou à coup de questions bien posées. Ouais, tôt ou tard. Après, faut pas non plus foncer tête baissée. Vous avez l'air... un peu occupé. Vous n'avez pas une quête sur le feu? Je sais pas. On a ça? Ben, pas vraiment. Mais on devrait quand même lancer l'interrogatoire. Ouais, sans doute. Confesse tes manigances, car tu dégages une odeur de malfaisance et de fourberie, et tes ruses écorchent mes oreilles comme le cri du corbeau. Je vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Laissez-moi tranquille. Faut pas le laisser s'enfuir! Chopons-le! Non! Attendez! Vous allez pas lui courir après? Vous savez bien que c'est mauvais pour vos petits genoux! Je poursuivrai cette énergumène jusqu'à ce que mes genoux ne me portent plus. Non! Je me rends juste dans un lieu normal! Pour m'adonner à des activités normales! Mais arrêtez de me suivre! On peut se laisser arrêter, notre ami. Tournons en rond. Quoi? Faut croire que c'est juste un mec bizarre qui aime tourner en rond. Alors foutez-lui la paix et reprenez la quête. Ma question, on a besoin de réponse. Attrape-le. Quelle est cette diablerie? Pourquoi t'enfuis-tu, bleutre? C'est bon pour le cœur. Dans un territoire infesté de monstres. Ouais, ma gueule, dis-moi ça. Garde-le, hein. Pardon? Je ne permets pas.
courant deux fois impunément. Affronte-moi, pleutre! Il va payer pour tous ses crimes présumés. Les ténèbres fuient devant la lumière. C'est la dernière. Attaquer type chapeau bleu. La vache! Ce type doit avoir une classe d'armure de dingue! Il faut qu'on trouve un moyen de lui infliger des dégâts. Je suis super chaud de buter ce type! À cause de ce qu'il a potentiellement fait, il a disparu! Peut-être qu'il est invisible. Non! Je crois juste que vous le reverrez plus jamais! Toutes vos attaques tombent à plat! J'ai une idée! Nos attaques ne peuvent pas, mais il doit être sensible aux dégâts de chute. On va le balancer d'une falaise. Ou alors sinon, et si un autre truc lui tombait sur le pif? Hein? Ce qu'on a fait, on a pris de l'avance. Vous voyez où je veux en venir? Tu veux qu'on lui saute dessus? Non, je veux dire... T'as pas... Y'a que moi qui vois l'énorme poids qui pendouille juste au-dessus de sa tête? On va lui faire voir 36 chandelles. Je ne vois pas ce que les chandelles viennent faire là-dedans. J'ai pris un peu trop d'avance. Nom d'un vieux skag purulent, tire sur la corde! Mais c'est fait! Oh oui, ça se tient! Fais donc ça! Putain, ça se trouve, j'ai pété le script. Hein. Violent cette arme. Donc, trouver le type au chapeau maléfique, trouver le repère secret. Il y a un repère secret à trouver. Il va falloir que je recharge le truc. Pas dire que l'icône était le truc bleu. Le truc bleu aurait pu être un peu plus près, hein. Bien vu, on va traquer ce saligo et le couvrir de bleu. À ton avis, de quoi il prend? Perso, je le vois bien gourou d'un culte secret. Trop pas, c'est clairement un guerrier maléfique déguisé qui étudie nos points faibles. Culte secret des chapeaux bleus. J'ai déjà repéré les trois fameux satyres de la souffrance. D'ici peu, le roi Cobalt passera par le portail et avec lui débutera Bleu Mageddon. Un guerrier maléfique. J'avais raison. Et il a aussi dit qu'il était espion pour un culte secret. Oh, pas ça
alors, vos soupçons à tous les deux étaient 100% exacts. Vous êtes vraiment trop forts. Bon, c'est pas le tout, mais faut sauver le monde. Ah oui, tiens. On s'y met. Rappelez sa firme. On passe de l'autre côté. Hein. Je pense que lui paraît plus accessible. Bien tenté. Mais même deux saphirs suffiront. C'en est fini de vous. Parmi cette vaste collection, je ne sais que choisir. Terminé. Terminé ici avec les quêtes.